Marcel Amontano est le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il remplace Patrice Kwame à ce poste depuis 2012. Patrice Kwame quitte donc ses fonctions après deux mandats. Avec l'accord de la conférence des chefs d'État, un programme immobilier est lancé avec le projet de construction de la tour Entente à Abidjan. Le partenaire du Conseil de l'Entente pour ce projet est la Caisse générale de retraite des agents de l'État, la CGRAE, en Côte d'Ivoire. Le Conseil d'Entente détient 51% du capital de la société de projet mise en place et la CGRAE 49%. Le coût du projet est estimé à 49,6 milliards de francs CFA. À ce jour, le financement est bouclé. Ancien directeur de cabinet du chef de l'État et ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano traduit sa gratitude au président de la République. Il s'engage à rehausser l'image de l'institution sous-régionale. Je voudrais également remercier les présidents des pays membres qui ont bien voulu accepter la proposition du président Ouattara et m'accorder ainsi leur confiance. Nous allons nous employer à relever les défis futurs au bénéfice des pays et des populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. La passation entre les deux personnalités s'est tenue en présence du ministre en charge de l'intégration africaine. Alcide Djedji adresse ses félicitations au secrétaire exécutif sortant et ses encouragements aux nouveaux. Monsieur le ministre Marcel Amontano, nul doute que vous réussirez brillamment à assumer vos nouvelles et les attentes responsabilités à la tête du Conseil de l'Entente. Au moment où vous prenez fonction, les attentes des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente pourraient, à mon sens, se résumer en trois principaux points. 1. Trouver des solutions aux questions complexes de coordination et d'harmonisation des politiques régionales en relation avec la CDAO et l'UEMOA. 2. Poursuivre les projets structurants et intégrateurs à impact direct sur les populations, surtout les couches les plus fragiles. Et en troisième lieu, poursuivre les efforts en vue de l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans l'espace Entente face à la menace des activités des groupes terroristes. Le Conseil de l'Entente a été créé en mai 1959. Sa mission, promouvoir l'intégration économique, politique et culturelle entre les États membres, aussi assurer la paix, la sécurité et la stabilité.